Voilà, dans cette rentrée littéraire foisonnante, un premier roman, un coup de maître, Carl Guéry, Vera, aux éditions Rivage, un livre très très bien traduit par Céline Leroy. Très vite, ce roman va se centrer sur un personnage principal qui n'est pas Vera, mais qui est Sonny, petit adolescent de 16 ans, un vrai personnage qui pourrait figurer dans un film de Ken Loach. Il est pauvre, il va à l'école mais ça ne marche pas. Et évidemment, Sonny rêve d'une autre vie. L'espérance d'une autre vie va peut-être l'entrevoir grâce à sa rencontre avec Vera, qui a peut-être l'âge de sa mère. Vera est riche, elle est anglaise, elle est éduquée et ils vont nouer une relation extrêmement forte, tous les deux des personnages extrêmement seuls, blessés. On découvrira petit à petit pourquoi Vera aussi est une femme perdue. Grâce à Vera, Sonny va lire des livres. Il va même aller aussi à la National Gallery à Dublin. Vera va beaucoup lui donner. Et en retour, Sonny va aussi lui donner beaucoup, peut-être même encore plus, mais ça, vous ne saurez que dans les trois dernières pages. Un roman bouleversant.